Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de politique avec peut-être un des futurs membres du Grand Conseil. Après réflexion, nous avons décidé de mettre les jeunes au devant de la scène. En effet, pourquoi dans le système actuel, les jeunes ont-ils moins de place sur les têtes de liste? Pourquoi viennent-ils remplir les listes en n'étant que rarement en tête? Nous n'avons pas la réponse à cette question, mais au travers de ce choix dans les candidats que nous allons interviewer, nous avons décidé de les mettre eux, les jeunes, à la lumière de nos projecteurs. Nous commençons donc avec le PDC, représenté par Michael Dayer, résident des PACO. Monsieur Dayer, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais bien, merci. Et vous? Très bien. C'est quoi votre but alors au travers de cette première campagne? Mon but? Oh, c'est pas facile. Déjà, c'est l'objectif de se présenter pour représenter la population. Alors, merci de m'inviter. Et puis, je suis honoré qu'on me dise je fais partie des jeunes. C'est pas toujours... voilà. Mais voilà, c'est représenter aussi une tranche de population. C'est vrai, un peu plus jeune, oui, c'est vrai. Et vous êtes directeur de l'école d'Atalens. Voulez-vous prendre parti des écoles ou au contraire, vous voulez toucher un autre domaine et différencier votre emploi et vos missions politiques? Alors, je pense que j'ai une certaine compétence dans tout ce qui touche aux écoles, aux scolaires. Et puis, c'est clair qu'étant au Grand Conseil, tout ce qui touchera à ce domaine sera important pour moi, pour la profession, pour mes élèves, et puis pour les élèves aussi qui sont autour. Mais si je pouvais avoir un autre domaine, ce serait très intéressant. Je pense à l'économie, à l'agriculture, à l'écologie, au développement durable, ce genre de choses, qui sont aussi des éléments importants pour le centre. Donc diversifier. Volontiers, oui. Et grâce à votre métier, pensez-vous que cela va vous apporter un avantage pour gagner cette campagne? Je ne suis pas sûr qu'on peut parler d'avantage vraiment, mais c'est vrai que j'ai une fonction qui fait que je suis... connu professionnellement. Par contre, c'est vrai que du point de vue politique, je n'ai pas fait de politique. C'est la première fois où je me lance vraiment dans un projet et une campagne. Et j'ai vu que vous aviez débuté une élection au Conseil général en mars 2021. Pourquoi participez-vous à une élection au Grand Conseil? Alors, lorsque je me suis présenté pour le Conseil général, c'était pour travailler pour la commune. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Et puis, l'idée maintenant, ce serait de représenter la Veuvaise au niveau du canton. Et puis, voilà, on a présenté 7 candidats sur la liste. J'ai la chance d'en faire partie. Et vous faites partie du PDC. Pourquoi avoir choisi ce parti et pas un autre? Alors, ce parti, déjà parce que mon papa y était. Donc, c'est une affaire familiale. Et puis, les valeurs et les convictions de ce parti me conviennent très bien. Et donc, quelles sont ces valeurs et ces convictions, alors? Alors, voilà, les valeurs du centre, enfin, anciennement PDC. C'est aussi la famille, c'est tout ce qui est des formations, tout ce qui est aussi de l'écologie, développement durable, comme je l'ai dit avant. On est un peu sur tous les thèmes, mais je pense quand même... famille, formation, des éléments de base. Et maintenant, consacrons-nous un peu à la Veuvaise. Donc, depuis combien de temps habitez-vous dans ce district? Depuis toujours, 42 ans, pour être précis. Donc, vous êtes un natif, alors, de la région? Tout à fait. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter, alors, pour ces élections? Pourquoi comme je l'ai dit avant, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est de ces groupes de travail cantonaux. J'ai beaucoup de groupes cantonales de par mon travail et j'ai toujours trouvé ça super intéressant de pouvoir discuter avec les autres districts, avec les autres régions, même avec la partie germanophone. Et puis lorsqu'on m'a proposé de me mettre sur la liste, j'ai dit ah ben oui, c'est une super opportunité
de me lancer dans quelque chose de cantonal pour le canton, mais surtout pour le sud et pour la Vèze. Et il y a de la concurrence. Alors pourquoi est-ce que nous devrions vous élire, vous ? Vous avez bien un argument pour me convaincre. Pourquoi moi ? Là, comme ça, à froid, pas facile. J'y ai pas pensé, réellement. Alors, peut-être l'expérience quand même, mais un élément de jeunesse. Voilà, je dirais un petit peu ça. Et puis, je connais bien la Vevèze, surtout. Je suis né à Porcelles, je travaille à Talence, j'habite Châtel-Saint-Denis. Voilà. Et donc, qu'allez-vous apporter à la Vevèze ? Parce que c'est un petit district qui doit trouver sa place parmi les plus grands, si on cite la Sarine, par exemple. Alors, apporter une voix, apporter un élément, et que le nord du canton n'oublie pas ce petit district du sud, qui a quand même son importance, puisqu'on gagne un siège cette année. Ça montre quand même qu'on grandit, et puis pas que les autres députés oublient justement ce district. Et maintenant, consacrons-nous un peu à votre parti. Parti que j'ai un peu de peine à différencier du PLR ou de l'UDC. Si je vous mets en opposition à ces deux partis également de droite, quelles idées défendez-vous en tant que PDC, mais pas UDC comme M. Prat ou PLR comme M. Derbigny ? Alors, le PDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, a changé de nom il y a quelques mois, s'appelle maintenant le Centre, donc on est un parti centriste, donc moins à droite quand même, mais on ne peut pas nous comparer non plus aux socialistes, donc on reste quelqu'un avec parfois, selon les dossiers, des idées qui sont plutôt à droite, parfois des idées qui sont plutôt à gauche, donc on est vraiment au centre. Et donc, qu'est-ce que votre parti pourra apporter à notre chère Vevèze ? Notre parti, qu'est-ce qu'il apportera à la Vevèze ? Ben justement, une position pas trop tranchée sur les dossiers, où on ne va pas pouvoir dire c'est la droite qui est majoritaire en Vevèze, ni c'est la gauche, on pourra dire, c'est le centre qui va pouvoir faire balancer certaines décisions selon les dossiers. Et je me pose une question un peu complexe. Arriverez-vous toujours à défendre les idées de votre parti tout en associant les besoins de notre Vevèze ? Vous ne pensez pas que vous allez être obligé, si vous êtes élu, de trahir l'une ou l'autre cause à un certain moment ? Alors, à certains moments, en ayant discuté avec des gens qui sont déjà en poste, ils le disent tous, à des moments, le cœur prend le dessus et sur les décisions cantonales. Comme tous les partis, le centre fait partie du comité cantonal, donc on peut aussi apporter nos voix sur les décisions du canton, mais parfois, la région doit primer peut-être sur les décisions cantonal. Et il faut se trouver une certaine harmonie pour faire passer des projets ou des lois. Quel projet ou idée pensez-vous défendre ou proposer pour la Vevèze avec le soutien de tous les candidats et candidates bientôt élus ? Alors, ce qui sera important si on veut faire passer quelque chose pour la Vevèze, c'est de travailler ensemble avec les députés et pas contre. Peut-être parfois oublier le parti et puis être capable de travailler ensemble pour la Vevèze dans des dossiers. Alors, si on prend un dossier peut-être qui me tient un peu à cœur, je penserai aux soins, entre autres, le fait que le HFR est au nord, et on a très peu de choses au sud pour les hôpitaux. Et là, il y a un joli projet qui est en cours, justement, mené par la préfecture et par les députés en place actuellement. Et notre région est très belle, mais elle n'est pas forcément très bien desservie au niveau des transports publics. L'exemple le plus pertinent pour moi est, sont donc les transports publics. J'habite au Paco et
les soirées et les week-ends, ce n'est pas très bien desservi. Et c'est des fois un peu compliqué aussi pour rentrer de l'école. Par exemple, je dois faire une vingtaine de minutes à pied, comme je pense que vous pouvez en témoigner au niveau d'habitants des PACO. Et si vous auriez le pouvoir de changer ça assez rapidement, je pense qu'il y aurait beaucoup de voix qui viendraient vous soutenir. Donc, changer pour qu'il y ait une meilleure desserte des transports. Alors, c'est vrai que les PACO, c'est un excellent exemple, hein, qui n'est pas bien desservi. Mais je penserai aussi à la vallée du Flon, qui a pas mal de soucis de ce point de vue-là pour les transports. C'est un grand travail à mener avec les TPF, avec les CFF, puisqu'on dépend aussi de la gare de Palaisieux. Et je pense que ce serait un défi d'arriver à faire changer les choses. Maintenant, jamais que j'aimerais bien vous dire demain, il y aura 10 bus de plus au PACO, mais ça ne dépendra pas que de moi, malheureusement. Oui. Mais on peut pousser, c'est vrai, le sujet. Oui. Et pour terminer, je vous laisse la parole. Si vous êtes élu, c'est quoi les trois projets, les trois rêves, les trois idées que vous voulez proposer, défendre à l'hôtel de ville de Fribourg pour que les Veuvezannes et les Veuvezans vivent mieux dans notre cher district? Alors, comme je l'ai dit avant, le premier, ce serait les soins. Quelque chose pour... J'ai deux petits-enfants, dont un qui est très maladroit et qui se blesse très facilement. Et voilà, donc de courir jusqu'à Fribourg à chaque fois, c'est pas toujours pratique. Donc là, il faudrait quand même qu'on trouve quelque chose à faire. Le deuxième sujet, je pense que c'est très global, mais le tourisme doit être... vous avez dit une belle région, moi je dirais une magnifique région, qu'on doit mettre en avant pour concurrencer un peu la Gruyère qui met aussi ça en avant. Et puis, bien sûr, le tourisme, ça englobera les transports, les infrastructures. Il y a beaucoup de choses là, dedans, qui peuvent être mises en place. Et puis, si on prend le troisième point qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est gestion des familles, tout ce qui est gestion des accueils extrascolaires, des crèches, toutes ces choses-là qui sont déjà bien en place, mais où on peut faire encore des choses en plus. Et là, je pense que la législation peut apporter des choses importantes. Ce sont très beaux projets. Alors, merci, monsieur Dayer. Nous arrivons à la fin de cette interview. Un petit mot à rajouter? Mais merci à vous. Merci pour l'accueil. Et puis, bonne suite. Merci. Merci. Et puis, oui, pensez à voter la liste 1 pour le 7 novembre. Voilà.